Please Veuillez be vous seated, asseoir. said the greffier. President, the trial chamber declares continuity of the session. Nous reprenons l'audience. First, I would like the greffiers to report the presence Je demanderai d'abord of aux greffiers the parties to these proceedings. Quelles sont les parties présentes? Le greffier. We already checked the attendance of the parties today. The Mr. Casavot is absent. Aujourd'hui, Maître Casavot est absent. Merci. Le président. The President, I would like the greffiers to include the attendance list. Je vous prie de joindre la liste des parties présentes en annexe au compte rendu de l'audience. The detention facility. Je demande maintenant security aux gardes bring the d'amener to l'accusé the à la barre. Monsieur le Président, il faudrait peut-être vérifier s'il n'y a Mr. pas des futurs témoins qui sont I aujourd'hui dans la salle du public et rappeler aux témoins qui vont témoigner qu'ils ne peuvent pas assister aux audiences. C'est bon?
The president, the chamber would like to inform you the following people, I mean the people whose name appear in the witness list. La chambre rappelle que les noms sont inscrits dans la liste des témoins ne sont pas autorisés à prendre place dans la galerie du public et à suivre le procès, car cela est interdit par le règlement intérieur et les règles concernant les témoins. Also, at this court, we have the witness and support and par ailleurs, le tribunal compte un service qui s'occupe des témoins et des experts. To make sure that, the proceedings are smoothly, et c'est ce service qui est chargé de veiller au bon ordre des choses en la matière. Donc, the witnesses, if you are witnesses, then you have dorénavant, sachez que si vous êtes témoin, vous ne pouvez assister au procès depuis la galerie du public avant votre déposition. Et je demanderai au service responsable de veiller à ce que cela se passe bien ainsi. Yesterday, we were asking the accused concerning the facts. Nous en étions aux questions posées à l'accusé concernant M13 et les faits qui y sont survenus. C'est le juge Lavergne qui se chargeait de poser les questions à l'accusé. Will proceed the questioning, and I would like la chambre va poursuivre aujourd'hui ces questions et je demanderai au juge Lavergne donc de continuer. Donc nous allons reprendre l'interrogatoire et je souhaiterais poursuivre en vous posant des questions concernant donc les conditions toujours de détention des personnes détenues à M13. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles étaient les mesures de sécurité prises pour éviter que des prisonniers puissent s'échapper? Est-ce qu'il y avait des constructions particulières? Est-ce qu'il y avait des consignes particulières? Regarding this matter, at first, people were kept sur ce point, to do farming. The first stage, people were kept dans un premier temps, in the house. After they were interrogated, they were smashed. And the second stage, et je me souviens qu'un détenu un jour a attrapé un fusil et a battu un garde. Après, nous avons déménagé à Tropeang-Chang, comme je vous l'ai dit hier. Et quand nous sommes installés à Tropeang-Chrap, la nuit, les détenus étaient enchaînés. La journée, ils faisaient aussi les travaux d'agriculture. Quant aux femmes détenues, elles étaient chargées de faire pousser des aubergines. C'est moi qui conduisais les détenus aussi pour construire des digues. And I did so because I was
be ready to judge if anyone would be willing to grab a weapon. Je le faisais pour m'assurer que personne ne s'emparait d'un fusil. Tied together in the necks. Pour ces déplacements, les détenus étaient liés ensemble par du fil de hamac qui leur était lié pour du cou par groupe de deux ou trois personnes. De façon à les empêcher de s'évader. Voilà donc une des façons qu'on avait de surveiller. Nous n'avons pas construit de maison ou d'abri. Kind of bamboo to dry them and then leave them under the water so that they could be used as fence surround the area and qui entourait la zone du camp. Using this kind of bamboos with the bamboo as a fence, then we dig the pitches. Nous avons aussi creusé des fossés wide and de 2 mètres de large et 3 mètres de long, with the palm leaves as a roof to protect the bombing, couverte de toit de feuilles de palmier. Ces fossés servaient à se protéger en cas de bombardement et à empêcher aussi que les détenus puissent échapper. Hommes et femmes étaient enchaînés par les pieds. Voilà donc les moyens qu'on employait pour empêcher les détenus de s'évader ou de s'emparer d'armes. Est-ce que les gardes avaient des consignes particulières si un détenu s'échappait ou tentait de s'échapper? Where a detainee escaped or attempted to do so? The accused. I have my good eyesight and I was smart with that. Je vois très bien, j'ai une très bonne vision. Watching people who attempted to escape, so I think I am pour the one who empêcher was les prisonniers de s'échapper. Very good at spotting any person who was willing to escape. Bon, so if any guard was under his watch, some detainee could escape, then he would be quand c'était lui qui surveillait, but for people who could il y a plus manage de risques que escape, les prisonniers s'échappent. In our strict principle, et si un prisonnier s'échappait, to report, to the la règle était que superior, je devais rendre compte à mes supérieurs immédiatement. Detainee escaped. So, if anyone escaped from M13, whenever that person was arrested by the military donc, or by any unit, then that person would be smashed immediately at si the spot when he or she was found. Était repris par la police ou les militaires quelque part ailleurs, il était immédiatement exécuté sur place. Est-ce que les gardes avaient des armes et est-ce qu'ils avaient des consignes pour l'utilisation des armes en cas de tentative d'évasion? Did they have any instructions with regard to how the weapons were to be used if there was an attempt to escape? Les gardes étaient armés. So when someone escaped, et quand quelqu'un prenait la fuite, had to fire, les gardes avaient ordre de tirer I would like to recall sur le détenu en fuite. That happened je me rappelle d'un événement qui a lieu lors de ces évasions où le garde a tiré sur l'évadé. À ce moment-là, je n'étais pas moi-même présent au centre de détention de l'évadé et qui a essayé de le tirer dessus. Sun, le garde, was good at shooting at the detainee. And then he shot accidentally his bullet. Is the incident that our guard
8. Donc la politique, la règle était de tirer sur ceux qui tentaient de s'échapper. Ne s'est pas vengé contre le garde Seun. Donc la consigne, c'était de tirer sur tout détenu qui cherchait à s'échapper. Alors, avant que vous répondiez, je voudrais attirer votre attention que sur le fait qu'hier, on vous a distribué une liste avec les noms des témoins et les pseudonymes à utiliser. With the pseudonyms to be used for those witnesses, I would like je tiens à attirer votre attention sur ce point-là, puisque nous avons une diffusion directe et il faudrait mieux éviter toute difficulté. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous souhaitez que votre conseil vous explique éventuellement ce qu'il y a lieu de comprendre? To explain what is at stake? Voilà, donc je reprends ma question. Vous confirmez bien que la consigne, lorsque un détenu cherche à s'évader, c'était que le garde devait le tirer dessus. Oui, maintenant. The accuser, this order was laid down from the superior, and I ordered my guards to do so ordre effectivement à mes gardes d'agir en conséquence. Vous avez également fait état tout à l'heure d'une tentative d'évasion avec un gardien qui a été tué à l'aide d'un fusil, et vous aviez fait état hier d'une autre, me semble-t-il, évasion de plusieurs détenus, événement que vous aviez reporté à vos supérieurs, et notamment à Von Vert, en demandant à être sanctionné, si je me rappelle bien. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles étaient les conditions dans lesquelles ces événements, ou ce dernier événement, en tous les cas, s'est produit? This last incident occurred. Oui, merci de soulever ces deux questions. To ask me at the same time, these two matters are interrelated. Car ce sont deux questions qui sont en partie liées entre elles. First, when tout d'abord, the detainee escaped at Phnom Penh. Lorsque un détenu s'est évadé à Phnom Penh, j'ai demandé à un camarade de monter la garde. À ce moment-là, je n'étais pas présent. J'étais ailleurs dans la zone. Then the camarade who was watching on the Thermite Mount, he could smoke, et le camarade qui montait la garde sur la colline avait du tabac, et un détenu lui a demandé de quoi fumer. Et là-dessus, le détenu a emparé du fusil du garde et a abattu le garde. I was reported. On m'a rapporté l'incident à 5 heures de l'après-midi, à 7 heures du soir. Je suis arrivé chez Von Vett et j'ai demandé à le voir pour lui rapporter cet incident. À ce moment-là, nous n'étions pas encore prêts à tirer sur le détenu qui avait tiré lui-même sur trois camarades qui avaient tous été blessés.
So this is the first event. Ça, c'est le premier événement. For the second event, there was a firing a eu lieu. The detainee at M13 in 1973. À M13 en 73. The detainee was quand un détenu named Ye. I did not know where Ye, he came from. Je ne sais pas d'où il venait. The superior would like the test the confession of this individual so that we could trace where the weapon was brought in. He was nous comprenions d'où il venait. Aggressive and we were I was afraid that il it would agressif. Be the situation would repeat. I went to meet Chu Chet, who was not far from me, about 10 kilometers from my location. Pas très loin, à 10 kilomètres de l'endroit où je me trouvais. When I reported the details of the event, quand j'ai rapporté les détails de l'incident, Chu Chet made the decision, Chu Chet, but beyond my purpose. A pris une décision. Une décision my purpose au moins, was au-delà de mon intention était de demander au supérieur de m'autoriser à exécuter cette personne secrètement. Mais Chu Chet a décidé de me demander one of the comrades who allowed, de m'ordonner such a de dire à to, un des gardes grab the weapon to shoot at that detainee de, in d'abattre the head. Le détenu d'un and, coup de fusil à la tête. And un I, garde dont l'arme avait été prise. And I did not see the event, but the detainee was moi, shot in the head as order, and the brain si were mais, scattered and stained at some dans la tête. And the event shocked everyone. Et c'est un incident qui a choqué and tout le monde dans le voisinage. This was not my original purpose. Non, but n'était pas mon intention. C'était une décision de Chu Chet. And after that, that person, the comrade, was shocked and regretful. And après a few days later, camarade eut des regrets. Et quelques jours plus tard, il m'a demandé à quitter. Never heard from him. Et je n'ai plus jamais parlé de lui. Point the finger to him for shooting mais je n'ai jamais blâmé the detainee pour avoir and I don't really point tiré sur my le finger détenu to brother C et for ordering pas such plus si a pour avoir shooting, ordonné I myself ces exécutions. Am responsible c'est, for je suis the moi-même crime responsable because, de ces crimes was so brutal parce que and, c'était such even un really brutal intimidated other people at the location. Pour intimider les autres qui se trouvaient au camp. Donc, dans le premier incident dont vous faites état, est-ce qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont évadées ? Puisque vous avez fait état d'un autre événement, me semble-t-il, un certain nombre de détenus avaient réussi à s'évader. Est-ce que je dois répéter la question ? Pardon, monsieur Petit. Mr. Petit is on his feet. Bonjour, monsieur le président, l'entraîneur. Il apparaît que soudainement le canal 2 était maintenant français et le canal 3 anglais et il n'y a pas eu de traduction French dans and ni three English, langue, and so there was no et d'autre part, le micro de l'accusé n'était pas allumé. More, alors, microphone was off. Peut-être la traduction pourrait nous préciser maintenant perhaps les chaînes. The translation could tell us what the channels are. Channel 1 is Khmer, channel 2 is English and channel 3 is French. George Lavergne, can I be heard? Ça fonctionne? Is it working? Bien. Donc, vous avez fait état so d'un premier incident et je voulais savoir si ce premier incident correspondait à une évasion de and I'd like plusieurs to know whether this involved the escape of several detainees.
L'accusé, au cours du premier incident, there were about 30 detainees who escaped. Donc, environ 30 détenus se sont échappés. So, all the detainees were could manage to escape. No one left. Tous les détenus ont réussi à s'échapper. Il n'y avait plus personne. Donc, cet incident, vous en vous le reportez immédiatement à vos supérieurs en demandant à être sanctionné. C'est exact. The accused died this information at 5 p.m. and I asked my superior one way for so that I could report to him. Donc, rendu compte de cet événement directement à mon supérieur hiérarchique le soir même. Est-ce que cet événement a entraîné des modifications dans le système de sécurité, le système de surveillance des détenus? Et quelles ont été les mesures qui ont été prises? That the prisoners were being watched over and what were the measures that were taken in consequence? After that incident, l'accusé, suite à cet incident, as I already told Your Honours, I asked one way to punish me. J'ai demandé à ce qu'on me sanctionne. A little while later, there was a prisoner who was sent into that facility again. Le détenu a été renvoyé dans ce centre. The principle was still applied. The detainee was called days and night. Les détenus étaient enchaînés nuit et jour. First, tout d'abord, they were only shackled at night. In the daytime, they would be let out dans la journée, en journée. The work. Pour empêcher l'évasion de ces détenus. Donc, vous nous dites que les fosses ont été construites aussi pour éviter que les détenus ne s'échappent. Oui, c'est exact. The pit was about 2 meters tall, so it's about the head of the victim. So if they were put in the pit, they would not be able to climb. Une fois placés dans la fosse, ils ne pouvaient pas remonter. Est-ce qu'il y avait des fosses qui étaient des fosses collectives et des fosses individuelles où il y avait un seul détenu? Individual pits where there was only one prisoner. When there was only one detainee, I did not dig the pit. The pit was only dug during the B-52 bombing. So there were at least 5 detainees in the pit. The most number was about 10. Au maximum, so there was no individual pit for individual detainees. The individual pit for a detainee when only I oversaw the S21. Seulement lorsque j'ai dirigé S21 qu'il y avait des lieux où l'on compartimentait les détenus. Somme
The accused said, could your honor repeat your question? L'accusé a demandé à ce que la question lui soit répétée. យើងខាងអ្នកបច្ចេកទេសមើលសម្របសម្រួលបញ្ហាមីក្រូហ្វូនឲ្យបានល្អជាងនេះមើល The president asked to Alors, make sure that the accused mic is well activated. Des fausses qui étaient des fausses ou collectives, il y avait plusieurs détenus, ou bien est-ce qu'il y avait aussi des fausses individuelles, où il n'y avait qu'un seul détenu where there was only one prisoner. I would like to state that je souhaiterais déclarer I started to dig the pits only when B-52 bombing started. Seulement lorsque les bombardements de B-52 ont commencé. Et donc les fosses about 2 meters mesurées, wide, 3 meters long and 2 meters deep. These pits were designed for all detainees. It was they were not just designed for individual detainees. Plusieurs détenus à la fois et non pas pour un détenu. Judge Laverne, est-ce que ces fosses étaient près de la rivière? Est-ce que ces fosses ont un jour été inondées? And were these pits flooded at one time? The pits were about 5 meters from the river bank. À peu près à 5 mètres de distance de la rive. Donc, maybe before October, I guess the pits were flooded. Les fosses so ont été everyone inondées, fled the area, even the pigs were floating and detainees were moved to another higher area about 50 meters from their location. So in 1974, in October, probably there was a big flood. Il y a eu effectivement une inondation importante. Judge Lavergne. Si j'ai bien entendu, vous avez dit que les détenus avaient été déplacés. Pour autant, est-ce qu'il y a eu des détenus qui ont été noyés? Were there detainees that had drowned? The accused, so far as I remember, no detainee was drowned. Détenu s'est noyé. At the beginning, I did not allow them to move, but when the water kept increasing, then I asked them to move from the pits to the higher ground. But because they were so weak to climb the wall of the pits, I led them to the higher ground. Later on, they died of sickness, but they were not drowned. Ultérieurement, ils sont morts de maladie et n'ont pas noyé. Est-ce que cette inondation a fait l'objet d'un rapport à vos supérieurs? Did you report about this flooding to your superiors? L'accusé. Actually reported to the superior, but I did not do it immediately, as immediate as I did so when the detainees escaped. Pas de manière aussi immédiate comme je l'avais fait lors de l'évasion de certains détenus. Et donc Judge dans ce rapport, vous faites état report, uniquement de ce que vous avez pris des mesures pour éloigner le lieu de détention d'un endroit inondable. Detention from a place that was at risk of floods. The accused l'accusé the flood was
about 48 hours. L'inondation a duré pendant une période de 48 heures. Et donc, brought back the detainees to the detention facility. Only after that, I managed to report to the superior. In the report, I only said that we evacuated the detainees to the higher ground to avoid the flood. Vers une zone plus en hauteur de manière à éviter l'inondation, leur inondation. Alors, je souhaiterais maintenant Judge vous poser des questions sur les interrogatoires des détenus. Et est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait différentes formes d'interrogatoire et quels moyens étaient utilisés pour interroger les détenus? The accused. L'accusé. There was no agreement on this particular issue. Il n'y avait pas de d'accord. Because there were various views. Cette question. Let me start en from the beginning. Il y avait différents points de vue, différents avis. Permettez-moi de from what I can recall and still par le départ, remember, d'après mes souvenirs. I already informed your honors already. Je vous ai déjà one déclaré man whom I interrogated. J'interrogeais. I tried to be humbled in my interrogation, but he did not confess or respond. Lors de mes he just said he came to buy the la chicken. Personne ne répondait pas. And I informed your honors yesterday. Me déclarait at that time, venir, I myself had a fever. And true, Hanoi's cadres came with pistols. Ensuite, they des came sont arrivés avec des revolvers et ils sont venus before me. Tabasser la personne sous mes yeux. So they beat up the person donc and the person confessed et la personne and I was angry and I said I asked you calmly but you did not respond and now they beat you up and you confessed calmement vous n'avez pas répondu à mes and questions I et ensuite vous passez beat him up, aux aveux but he me, sous les please coups do not et donc me à up. Ce moment-là la personne so dit mais arrêtez de me battre and later on I completed et my interrogation ensuite with that j'ai terminé so sometimes mon interrogatoire I beat him with one or two whip that's all. Parfois, je battais la personne avec un remember. Coup de fouet, c'est ce dont that's je me when souviens. I personally interrogated and tortured that person. Personnellement interrogé and another cette one, personne, une autre personne. In my experience of interrogation, when I led the interrogation, lorsque j'ai mené à bien and from my experience, and I wanted to experiment of what I learned, and the interrogation took almost 1 month. L'interrogatoire a pris the person was Netsambon, alias Kompe, alias Kompe. Who used to write poems for the newspaper, and he went to the liberated zone at the time. Qui, so I wanted to experiment, and I interrogated that person libérée, for almost 1 month, and I beat the person by myself. That's the truth. Mois, donc j'ai tabassé la personne moi-même. So to sum up with the torture résumer, that I did personally, eh bien, en ce qui concerne la torture, on at least two persons. Besides that, mostly I only interrogated donc voilà. And ensuite, I instructed others des to et j'ai torture. Instruit, j'ai mené à bien des so cours, although I instructed others to interrogate, pour apprendre aux autres à torturer. Because donc, I was a superior person at the time, I would like to inform the honors that I am responsible for those crimes and the tortures over there. And the confessions from the tortured detainees, I would accept their responsibility. Qui ont pu être, I just would like to emphasize about the truth that happened at the time over there at that location. Simplement affirmer la vérité sur ce qui s'est passé even if I was an inspector at that time, who et orders other people to take to conduct activities, I am fully responsible for that. En tant qu'instructeur, pour avoir commandé d'autres personnes et instruit d'autres personnes à mener des interrogatoires, je voudrais présenter mes excuses. Je n'ai pas tabassé Chung-Mei. C'est le camarade C qui a tabassé Chung-Mei, mais je n'ai pas ordonné, donné instruction de le faire. Oui.
The President, now we are talking about the facts at M13. Please do not deviate from the facts at M13. And what you have just said was about another fact. Please focus only on the facts related to the questions raised by the judges concerning M13. Portant simplement sur la question du juge et concernant spécifiquement M13. The President, please, Judge Lavergne, you may continue. Monsieur le juge Lavergne, veuillez procéder. Judge Lavergne. Donc vous venez nous dire que you just told us. Vous n'avez pas entendu. Alors, est-ce que le problème technique est résolu? Je m'excuse, monsieur le juge, je vais continuer. I'm sorry, Mr. Your Honor. I will. Khiom som talap mo vinh som to. Ka de khiom ye chul tu dal khang mok. Your Honor, I apologize from what I said regarding S21. In summary, the torture en résumé, was done, and I am responsible for all the crimes that I personally committed or instructed other people to do it. I am fully responsible for it. Dans cette voie, je suis personnellement responsable and that was de cruel, cela. Crueler than what I did personally when I ordered those people to do it. Lorsque j'ai ordonné à d'autres de procéder. Aux actes de torture. It means if I ordered them to do it, it means more people were victimized. Ordonne, si j'ai so I am responsible torturer, for this crime. D'autres personnes ont that's été one des victimes issue. De la torture. Another donc issue c'est is une question qui se pose. Un autre point. That I would like to report to your honors regarding the torture. Signaler par rapport à la question de la by torture. Means of by means of having a bath during a rainy season, so the person shivered pendant la saison because it was very cold, and it happened on female detainees. Alors, il s'agissait du bain so pour it violated les détenus, the physical or the rights of the donc, detainees. Il y avait effectivement des one day I recalled if we did not beat them up alors, or let them take a shower with the cold wind, whether we could get any froid, results from it. Lorsque, so that was my idea. Il y avait aussi l'idée de la douche. That is, to let a person had a bath and then stood in the cold wind. Et ensuite de rester nu. Avec donc le vent qui était froid. And after that experiment, okay, it was not froid. Satisfactory et because it did not achieve the result, even if it happens on a female detainee. C'est quelque chose que so nous avons I testé sur une femme détenue. That method was l'expérience n'a pas été concluante et donc nous avons n'avons pas poursuivi. And I could not recall any other crimes or torture I personally did on other people. Que j'ai what I did personally, I have already informed your honors, including the orders to ask others to commit ce que the torture. Vous déclarer par rapport à la torture qui a été pratiquée. Judge Lavergne. Hier, yesterday, lorsque vous avez été interrogé, je crois que ce sont vos propres mots, vous avez dit words, que dans les centres de détention des Khmers Rouges, ou dans les centres de détention même plus anciens du temps des Khmers Issarak, la torture était inévitable. Can you confirm that torture was unavoidable there? That was the truth. Oui, c'est la and vérité. Nobody could deny it. Personne ne pouvait le nier.
In the police office, you're in the Isara. De police. As well as les in the police office before the 17th April or after the 17th April, torture was used in all the police offices. Après le 17 avril, la torture était pratiquée dans tous les bureaux de police. I C'est quelque like chose qui était inévitable. J'aimerais insister sur le fait que la torture did personally, or that I ordered que j'ai ordonné à d'autres pratiquer, à d'autres camarades. Le pratiquer, eh bien, là, c'est quelque chose que j'ai fait. Quelle forme de violence était utilisée lors des interrogatoires? The accused. L'accusé, the cruel act si on the victims during the interrogation at the office M13, there are two kinds. À M13, elles sont de deux catégories. Elles entrent three, en deux catégories. Three types. De trois. Elles sont de trois types. One is cold method. Numéro We un, la méthode froide. Invited the person to talk about this, to talk about that, ceci, to persuade cela, the person. Persuader. And if they did not follow la it. Personne de parler et si cela marchait pas. But that was one in the cold method. We use verbal communication. Donc, nous utilisions la communication orale. We threatened them. Ou alors on utilisait la menace. Or we use like a big stick to threaten the detainee. Or menacer le détenu, or a hammer, a wooden hammer, just un marteau to threaten en bois, them. Juste pour menacer, à des fins de menace. So the detainees were not donc, beaten. Le détenu n'était pas frappé. And later on, if the person did not confess, si then personne other people will be instructed to beat them up. D'autres personnes, eh bien, on leur donnait l'ordre it à ces personnes de passer the young aux actes de frapper. Who could beat them up. Donc, so that was one form. Les frapper. And the instructions from Bonwit could not be implemented. I could not implement his instructions. Mettre en œuvre the use of the plastic bag. L'utilisation de sacs plastiques. The Dune used a plastic bag to cover the head. Mettez sur la tête. I could not use it because in the liberated zones we could not find any plastic bags. Dans une zone, la zone où nous trouvions, nous ne pouvions pas trouver de sacs plastiques. Another form. Et je me rappelle maintenant d'une nouvelle forme de torture. When interrogating to find weapons, the victims used to talk to each other to find appropriate response to the questioning. Par rapport aux armes, eh bien, if that happens, if they keep telling others how to answer, réponse, then eh bien, we could not find si the weapons. Il ne nous dit rien, eh bien, on ne peut after pas trouver des armes. While, donc j'ai réfléchi pendant un certain temps. I reported the matter j'ai rendu to brother ce problème C. au frère C. Chuchet, or C. Chuchet. The former secretary of the Southwest zone. De la zone. So du after sud-ouest. I reported to him, donc, après, he closed his eyes and pondered, problème, and he said, réfléchi, il a dit, to erect the poles and tie them up to the poles and do not let them talk. Personnes au poteau et de ne pas les laisser parler. So, because we wanted to find the weapons in order parce to satisfy Stamok. Des armes de manière à pouvoir, when I returned, I asked them to be tied to the poles. Eh bien, lorsque je suis retourné dans le camp, j'ai demandé à ce que les détenus soient attachés au poteau. So after four or five days, et donc après 4 ou 5 jours, because of the tie strings tied on their hands, they got pained. And then I asked the medic to use medicine to apply it on the wrist, donc, and that's another form of torture. Donc ça c'est une autre forme de torture. By separating them and not allow them to talk to détenus, each other, en ne leur permettant pas de se parler les uns aux autres.
So that's the forms of tortures that I could record to report to Your Honours. The tying to the post was also my instruction. And I ordered the guards to implement that instruction. Donc, je demandais à ce que cette instruction soit appliquée. Lorsque vous dites « attachés au poteau », ils étaient attachés ou ils étaient suspendus ? Were they tied or were they hanging from it ? In order to show it clearly, I would like to stand and show it physically to Your Honor. Il faut que je me mette debout pour vous montrer concrètement comment ça se passait, monsieur le juge. Donc vous aviez le poteau, et puis ils étaient attachés au poteau. The interpreter cannot see. Est-ce que George Lavelle. Vous nous dites donc qu'ils étaient attachés, ils n'étaient pas suspendus, ils avaient les mains derrière le dos, les mains attachées derrière le dos au poteau. La personne était attachée au poteau avec les mains liées derrière le poteau. Dans le dos derrière le poteau. So, one segment of the upper arm was tied and the wrist was also tied. Et était donc attaché par les poignets. Et également au-dessus des bras, dans la partie supérieure des bras. Donc les détenus restaient là pendant 4 jours sans pouvoir parler avec les autres détenus. À côté, est-ce qu'ils avaient la possibilité de se nourrir ? Were they able to be fed ? Je ne sais plus si les gardes pouvaient manger ou non. Je ne sais plus si les gardes pouvaient leur donner à manger. Je ne sais plus. Est-ce que vous avez vu des détenus qui étaient suspendus ? Did you see ou any par les mains, ou par les bras, ou par les pieds, pour être interrogé. Their arms or their feet to be interrogated. The accused did not order that interrogation to take place. Je n'ai pas donné l'ordre and there was no things to hang suspendre them les anyway. Prisonniers, et il n'y avait rien de toute façon pour les suspendre. Est-ce que vous avez vu des prisonniers qui ont pu être plongés dans l'eau who might have ou dans l'étang. Plunged into water in the pond. Some accused, I would like to inform honest that taking the prisoners, the detainees, to bath and then to stand on emmenait les prisonniers in the se baigner. Cold wind. That was et on les exposait parfois au vent froid. Ça, c'est une méthode qui n'a été utilisée qu'une fois. That I used upon a female detainee with Comrade Pont, and then later on I did not allow any other people to do this method. Après, je n'ai autorisé personne à utiliser cette méthode. C'est une chose qui n'a été faite qu'une fois. Bien, donc vous n'avez jamais vu de séance où le détenu était placé la tête sous l'eau. The detainee's head was submerged into water. Karena the accused. When a person was submerged under the water with somebody holding the head to submerge it. Quelqu'un qui aurait été plongé la tête dans l'eau avec la tête maintenue sous l'eau par le garde, non, pas à M13. On n'a pas employé cette méthode d'immersion. Est-ce que vous avez vu des détenus qui auraient été forcés d'ingurgiter, de boire
des boissons acides ou des détergents ou de l'eau savonneuse. Or soapy water. I would like to inform the honors that at that time, I myself did not even have any soap to use or to wash my clothes. Moi-même, je n'avais pas de savon pour me laver, pour laver mes vêtements. Est-ce que vous avez vu des détenus qui auraient eu des aiguilles enfoncées sous les ongles? Stuck under their nails. The accused, that form was not existent. Non, on n'a pas fait ça. Est-ce que vous avez vu des détenus qui auraient eu les ongles arrachés? Did you see detainees who had had their nails pulled out? The torture at that time was monitored by me closely. Je suivais de près les séances de torture à l'époque. That form was not used and there was no needle to use and there was no order from me to use that form of torture. Un pas d'aiguille et deux, je n'ai pas donné d'ordre en ce sens. I did not order that and I did not see anyone pulling the nails out. Je n'ai vu personne arracher les ongles de qui que ce soit ou employer la méthode de l'immersion. Est-ce que des détenus ont été brûlés à l'aide de torches enflammées contenant de la cire? It happened once. Oui, une fois. I would like to describe about this event in detail to your honors. Cet incident plus en détail. That night, Comrade Paul was arrested. I ordered him to be arrested. Arrêté. C'est moi qui ai donné l'ordre de son arrestation. From with the order from the upper echelon. Sur instruction de l'échelon supérieur. I wanted to train Comrade Paul, mais je voulais Comrade Smith to talk to interrogate Comrade Paul. Paul aux méthodes d'interrogatoire. I wanted to train Comrade Smith to talk to Comrade Paul to interrogate Comrade Paul. Les méthodes d'interrogatoire. That night, three or four of us were around. I was the superior, and I was lying in the hammock. J'étais parmi eux. J'étais le supérieur. J'étais dans un hamac. And Comrade Pond. Et le camarade next Pond, in rank after me, he was also lying second, in his hammock. Était lui-même couché dans son hamac. Comrade Mies was the youngest. Le camarade Mies était le plus jeune entre nous. Et c'est lui qui a procédé à l'interrogatoire. So. For the psychological plant, he was the younger, and he joined the youth league later too. C'était le plus jeune d'entre nous. L'interprète n'a pas compris la suite. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît, parce qu'il y a un problème d'interprétariat. Donc, on va répéter la dernière partie de votre réponse. Je répète de l'accusé. Nous étions quatre. Il y avait moi, Comrade Pond, le camarade Pond, Comrade Miss, le camarade Miss. Ça fait trois. The interrogator, c'était lui qui interrogeait. Paul was the et le camarade Paul qui était celui qu'on interrogeait. Let me emphasize that Comrade Mies was the le youngest amongst était us. Était le plus jeune d'entre nous. And he joins the youth league et after Comrade Paul. Membre de la ligue des jeunesse, de la ligue des, la ligue des, de la jeunesse, de même que le camarade Paul. Uh,
after he interrogated with Comrade Paul, then Comrade Paul got angry. Le camarade Paul s'est mis en colère à un moment donné pendant l'interrogatoire. After Comrade Paul angry, he had his grip and then hit et il a frappé le camarade Mi. So Comrade Paul stood up le and the torch, the lit torch was nearby. S'est levé. He stood up, took une torche the à côté. Lit torch. Il a pris la torche allumée and pushed it on the face et il a frappé le visage à plusieurs reprises du camarade Paul avec cette torche. And then it burns the face of Comrade Paul. Et Paul a ainsi eu le visage brûlé. When I heard that, I quand stood up. On m'a rapporté cet incident, je me suis levé. And Comrade Paul saw me standing up. Paul m'a vu debout. He was afraid and he begged me, oh brother. Imploré. And then I raised my hand to stop him and let talk je l'ai alors arrêté de la main pour qu'il parle de façon normale. So I was also responsible for this because I si asked je suis responsable parce que c'est moi qui ai demandé à Comrade Miss d'interroger Comrade Paul. Si j'avais procédé de moi-même à l'interrogatoire, sans doute que cet incident n'aurait pas eu lieu. If I was not there, probably si Comrade Pon would not use the lit si torch to là, attack the face of the Comrade Paul. Agresser son autre camarade avec cette torche allumée. Because if I were there, car si what happened, là, then it Pon would also be responsible Pon for it. Aurait aussi été responsable. So Pon quickly took to grab the lit torch in the sense of protecting me as well. Aussi pour me protéger. In conclusion, the lit torch used et pour on the conclure, victim, cette it torche did happen. Allumée, cet incident de la torche allumée s'est passé. And I witnessed with my own eyes. Et j'en étais témoin de mes propres yeux. Donc le détenu qui était interrogé à ce moment-là s'appelait Pal. Est-ce que ce détenu, auparavant, faisait partie du personnel de M13? Est-ce qu'il faisait partie même du personnel d'encadrement? Me talk a bit about Comrade Paul. Oui, j'ai un peu parlé du camarade Paul. His full name was Main Sopol. Il s'appelait Main Sopol, c'est son nom complet. He was the young man from Phnom Penh to c'était sector un 25. Jeune homme de Phnom Penh, il venait du secteur 25. Later, he came with me through Om Leng as well. Et plus tard, il est venu avec moi à Om Leng. When I was organizing the creation of au M13B, moment où j'étais en train de mettre I assigned him M13 to be the deputy B. of Comrade Sum. Je l'ai désigné à ce moment-là comme adjoint du camarade Sum. While he stayed there for a while, il est resté là un certain he temps. He got problem with women. Mais il y a eu des problèmes pour des histoires de femmes. So my superior transferred him et donc to mon supérieur l'a transféré dans une autre unité. After his transfer to another unit, probably in November, après son transfert, je crois vers novembre, my superior transferred him to another unit. Mon I do not know which month. Encore transféré dans une autre unité, je ne sais pas dans quel mois. But later in November, I saw him arriving at my mais house plus tard, in Om Leng. En novembre, je l'ai vu arriver chez moi à Om Leng.
He held an AK-47, a new one. Il avait un AK-47, un revolver nouveau, un nouveau revolver. He came with that new AK-47 and handed with two hands to me. Il me l'a remis. And when I went to work, I reported the matter to teacher Son Sen. J'en ai rendu compte à Son Sen. I took the weapon as well to him. Je lui ai remis l'arme. My superior did not give any instructions. But later on, when I went to see him, mais après, quand je suis allé le voir, he told me to arrest him, interrogate him, and smash him. Il m'a dit de l'interroger et de l'exécuter. So, Comrade Paul, donc le camarade was a cadre Paul of était un cadre de M13. Not a candidate member, but he was a member of the Youth League. Pas un membre, il était membre de la Ligue de la Jeunesse. Est-ce que l'ordre d'interroger ce camarade a été donné parce qu'il avait eu une conduite qualifiée d'immorale ou parce qu'il détenait des armes qu'il ne devait pas détenir? Conduct or because he was carrying a weapon that he should not have had access to? The orders I received regarding Comrade Paul. Les ordres que j'ai reçus concernant le camarade Paul étaient 1. The immoral issue was qu'il était coupable d'inconduite morale. When he was transferred to another unit, he caused troubles in that unit. Mais quand il est transféré dans une autre unité, il a provoqué des désordres au sein de cette autre unité. Some other people understood him and forgave him, but when he went to the new unit, he caused troubles and he was reported to the upper echelon. Des désordres dans l'autre unité lui était transféré et il a été dénoncé auprès de l'échelon supérieur. Selon vous, le but des violences, quand elles étaient utilisées, c'était d'obtenir des aveux conformes à la vérité ou c'était d'obtenir des confessions conformes à ce qu'on vous demandait? To obtain confessions in line with what you were being requested to provide? The questions your honors asked is deep in politics. Let me answer according to my view and understanding. Beaucoup de répercussions, compris politiques, hein. Et je peux vous dire personally, quel est mon point de vue personnel sur la question. Conducted torture or ordered others to do tortures. Torturer, I instructed them to first interrogate them. Disais, de commencer par poser des questions. So first, whatever it needs in order to get the confessions, afin which would reveal the truth to a limited to a certain extent, la vérité dans une certaine mesure. However, mais although that's what happened, I never believed the confessions I received. Je n'étais pas sûr que c'était la vérité. The most was probably 40% true. Il y a peut-être 40% de vérité dans les aveux. I said 40% doesn't mean I talk about as a politician. Là, je parle un peu comme un politicien, mais like Sun Sen, when Sun Sen said 50%, it's complete. Mais pour ce, but 40% here is the 40% complet. In the name of mathematicians. Mais ici, je dis 40% plutôt d'un point de vue de mathématicien. So the confessions I received, donc ces aveux, the truth in it was probably 40%. Ils contenaient peut-être 40% de vérité. So that's the situation that they confessed. But about those, they implicated only 20% is true.
Et pour ce qui est des incriminations qu'il y a dans ces aveux, il n'y a peut-être que 20% de vérité. I was scared. Alors, chaque fois, j'avais peur qu'on incrimine d'autres personnes. And that is my understanding and my practice in and what I compared. But it is very hard for me to compare and give you an actual percentage. Et très difficile pour moi de vous dire so exactement quelle était la part de vérité. But if we talk about the crimes from those tortured confessions, there is no scientific monitoring or following the confessions. The crimes is the crime, and it is the crimes that I am responsible. C'est sur la des crimes qui ont été commis, des and crimes dont je suis responsable. Said, mais en pratique, just to reveal the truth to some extent in the operation. La vérité, so the crimes exist, but there is no scientific method to verify the truth in those confessions. De méthode scientifique pour vérifier l'exactitude des aveux. Je vais vous interroger maintenant en ce qui concerne les exécutions. Qu'est-ce que vous nous dire des exécutions? Qui décidait? À quel moment? Qui était chargé d'exécuter? And who decided who was in charge of carrying out executions? Look at the accused, Jonas. In the Khmer Rouge regime, those who had the authority to make arrests, and if they ordered to arrest or to smash, sooner or later we had to do it. It means to smash. So once the the sooner the interrogation finished, dès que l'interrogatoire était terminé, eh bien, le plus tôt, c'était le mieux. So that makes me shocked. If I thought if my superior betrayed, then I would be gone as well. Then my head would roll from my neck. C'était ma tête qui allait rouler, qu'on allait couper. Brother Kum Ho assured me that that's all right because those who made the decision was the members of the central of the standing committee. Les décisions, eh bien, c'était les membres du comité central, c'est-à-dire Tamok. Si, ou Chuchet, and Brother Pal. Et le frère Uthay, Pal. That was his original name. They were the members of the central committee. So they were responsible before the history because they were the one who made decisions. But let me return to the question you asked. Permettez-moi de revenir à la question. The people who ordered the arrest and sent to office M13. Was the one who ordered the smash as well. So, you, the comrade, once you finish the interrogation, you have to smash them. Terminé, eh bien, il fallait écraser. That is the principle. Ceci est but in practice, pratique, I also want to satisfy the upper echelon. And when the interrogation finished, I show them here is a complete interrogation, the confession. Eh bien, so that was like a protocol on my humbleness to my superior. Pour preuve de mon humilité so that auprès is de the principle of smashing. Donc, tel and after I received such principle, then I would order the donc, smash. Après avoir, en conformité avec ce principe, j'ordonnais par la suite Brother le, Mies le was young. He was a peasant, a son of a peasant in Om Liang, in Tbong. Frère, un fils de paysan. He was a peasant I built, specially c'était un des for the protection and for the smashing. Personnellement, à la fois pour la protection et également and those pratiquer who l'écrasement. Led c'était une personne que the j'ai smashing was donc, Mr. Comrade Mies and other comrades. Alors l'écrasement, il for y avait example, Comrade Nan. D'autres was also in the team, faisait partie de l'équipe. And I don't recall the names of other je ne me rappelle pas le nom des autres camarades.
Because it was my guard unit to carry out smash. C'est un membre de mon unité de garde qui était chargé de réaliser l'écrasement, d'écraser. Hi, you, you. Once in a while, Comrade Pont would join, but not frequently. And he reported to me that Comrade Miss was skillful. Avait des and that he could not follow Comrade Miss because of his skill in carrying out his duty. Miss, étant donné les qualités qu'il avait développées. So in conclusion, the smashing. Pour conclure, I was not a model in the smashing because I was afraid, as I already informed your honors, Brother Kimpo told me about this duty, but I told him I was not. I was afraid to carry out that. We, the intellectuals, we had witnesses, so that I should assign this duty to the children of the peasants. They would do it better. Although that's what happened, every time there was a smashing, I ordered that smash. I decided. So the crimes in the smashing of the people, although the decision was made from the upper echelon, I was responsible at my level for every smashing order. Niveau, so the burden is still follow me. It's my responsibility. La charge de la responsabilité. And I would like to apologize to the soul of those who died. Je I still cannot forget their names, and I would write their names in the book. I can never forget the crimes that fall on my head and responsibility. Qui m'incombe, qui retombe, qui relève de ma responsabilité. Donc, vous nous dites que les exécutions étaient réalisées pour satisfaire des ordres qui vous étaient donnés par vos supérieurs. Et en particulier, vous avez dit qu'il s'agissait de décisions prises par les membres du comité central. Taken by members of the central committee. Is that correct? Your Honor, I already emphasized it in details, but I may add further that the power to arrest or smash was made from the people at those regimes, from the members of the full tri standing committee. Du comité permanent qui prend but people who were interrogated in principle, I could manage to smash without any problem, but sometimes, but in general, when after a few interrogations, then I would report to the superior whether these people were ready to be smashed, just to please them. So, pour leur dire que ces personnes étaient prêtes à être écrasées. Before they were smashed, ultimately. Je rendais compte de ces situations auprès de mes supérieurs hiérarchiques. Vous avez fait état d'une équipe entre guillemets spécialisé dans les exécutions. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était l'âge des membres de cette équipe? How old the team members were? Comrade Mias was used by me since he was 16, and it is the way I used him. But when he was 18, he entered the party, but still maintained the duty. But he was then below 18 when he was used by me. L'équipe, mais en fait, quand j'ai utilisé ses services, il avait 16 ans. Il y avait-il des enfants qui étaient chargés de certaines exécutions?
who were in charge of some executions. Carno. The accused. L'accusé. At that time, à l'époque, a 12-year-old boy, un garçon âgé de 12 ans, a teenager. There were two teenagers. Il y avait deux adolescents. Whom I used as messengers, and they were not smashed. Apart from them, people above 12 years old, personnes âgées de plus de 12 ans, there were two il y en avait children, deux enfants. First was the son of our comrade, and also the brother of our messenger. They were too young. They were not used. They could just play around. Et non, ils ne pouvaient que jouer. Mais n'ont pas été utilisés à cette So in conclusion, there were two children that were not smashed, qui n'ont pas été and écrasés, two teenagers who were used as my personal messengers. Qui jouaient le rôle de messagers personnels. Il y a en fait une précision. Je vous ai posé la question de savoir si des enfants eux-mêmes avaient été chargés de procéder à des exécutions. En d'autres mots, est-ce que des enfants ont été amenés à tuer des détenus ? L'accusé, the two children who belonged to our comrades did not see the signs where people were smashed. I cannot remember whether the two teenagers who were my messengers were there. Their name was Sal and Cheng. Alors il y avait Sal et Cheng, mais deux messagers qui étaient là. Not at the smashing site. Et, so they may went there without any assignment, but I myself did not assign them to enter the study session. Affecté à cette Never. Tâche, ils étaient participés à des séances d'études. Judge Laverne. Comment était-il procédé aux exécutions? How were the executions carried out? Quelle méthode était employée pour exécuter les détenus? L'accusé, 13 and at other police offices, d'autres they used the police. Stick. On utilisait le bâton. To clap, the back of the neck. Pour asséner un coup sur and, la base du apart from cou that, I, de la personne. There was no other à part cela, method. Il n'y avait pas d'autre méthode. Avez-vous vous-même personnellement procédé à des exécutions? Avez-vous assisté à ces exécutions ou avez-vous expliqué comment on devait procéder aux exécutions? How executions were to be carried out? The accused. L'accusé. Talking about instruction. En ce qui concerne les instructions. I kept reminding them to remind Je them not to aux personnes impliquées let the people escape before they were smashed and make sure that they could not scream to so that their execution were compromised. So this was my regular task. But regarding exécution, where to where the detainees would be beaten, then I also instructed through comrade Mi and Bon. And I also told them about how the execution method was applied, for example, from the way Chai Kum-ho done that. And he advised me to be careful.
et il m'a dit qu'il fallait faire attention. He advised us also to make sure that the dead people buried deep in the underground so that they were not to be pulled out by tigers, for example. So this is the way I observed the execution, but I trusted a comrade Bon who oversaw this execution, but I never personally went there by myself. Porté sur les lieux d'exécution moi-même, en personne. I already stated yesterday that in my mind the person who killed Priep did not have was not guilty. La personne qui procédait à l'écrasement n'était pas coupable. C'est nous qui étions coupables, mais moi, was involved in that crime, je n'ai pas participé à ces crimes, je n'ai pas commis les crimes personnellement. The President, now we should adjourn and resume at 15 minutes to 11. À 11h moins le quart. All rise, say the Greffier.